for the sky in 5 ways. 5 heroes walking through the sun for 5 days. Dark forces learn believing evil when they roam. 5 rangers looking for the same 5 stones. Treasure to be found, there's some lives to be saved. A planet's in the gap, but there's a whole lot of space. Good versus evil, we got heroes on the scene. Power Rangers Overdrive is the number one team. Power Rangers, Operation Overdrive. Quoi? Pourquoi est-ce que tu restes assis là, les yeux rivés sur moi? T'as rien à faire de plus intéressant? Non. Quoi? Quoi? T'as l'intention de rester à côté de moi? Ça me gêne. Je vois. On discute? Quand t'avais 7 ans, le matin avant d'aller à l'école, qu'est-ce que tu aimais manger? J'en sais rien. C'est une question bizarre. C'est vrai. Alors une autre. Quand t'avais 8 ans, avant de partir au collège, qu'est-ce que tu prenais? On arrête. Écoute, on a eu un jour de repos et j'aurais dû aller pique-niquer avec les autres. Mais t'as refusé? Oui, parce que j'avais cru que je pourrais rester ici et que ce serait l'occasion idéale de lire un bouquin, tranquille, relax, sans me faire déranger par quelqu'un. Alors fais-le. Je veillerai à ce que personne ne t'approche pour t'ennuyer. Quand t'avais 11 ans... Assez! Je serais mieux à ce pique-nique. Oh, mais bien sûr. Fais vite et amuse-toi. La nature, un paysage de rêve, aucun monstre à combattre. Ça, c'est une super journée. Facile à dire pour toi. J'ai ce sac à dos depuis au moins 10 km. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans, Roddy? Non, rien que nos déjeuners et aussi nos maillots de bain, 4 bouteilles d'eau, des serviettes, de la crème solaire, une tente... Arrête-toi là. C'est mon tour de le porter. Je suis beaucoup plus fort que vous tous. J'ai pas pique-niqué depuis 10 ans. Avec mon père, on s'installait tout près d'une rivière. Souvent, on se baignait, on jouait avec un ballon de foot. On avalait un merveilleux poulet rôti cuisiné par Spencer. C'était encore le temps où mon père avait un petit peu de temps libre. Attendez! On croyait que tu venais pas. C'est vrai. Mais c'est une belle journée de détente et vous êtes mes amis. Alors je vous accompagne. Tyson! Oui. Il est génial, c'est vrai, mais c'est juste que... il est différent. Et il voulait passer son temps à me regarder. Ouais, alors tu l'as laissé tomber. Mais non, pourquoi tu dis ça? Oui, je l'ai laissé tomber. Je voulais juste qu'il m'oublie pendant un petit moment. Rose! Rose! T'as oublié ton bouquin? Merci. Tyson, on va faire un pique-nique. Tu veux venir? Oui. En avant. Mais qu'est-ce que c'est un pique-nique? Tu vas voir, c'est une surprise. Je suis sûr que tu vas bien t'amuser. Oh, mais regardez ça! C'est un ours? Non, un yeti plutôt. Il faut le suivre. Si c'est vraiment un yeti, on pourrait devenir célèbre. On est déjà célèbre. Plus célèbre! Plus encore! Allez, on le suit! Ouais, pourquoi pas? Il est ici. J'en ai la conviction. Quelque part dans ces montagnes se trouve le vase infernal capable d'enflammer le monde. Avec lui, on pourra battre n'importe qui. En particulier ces poisons du Power Ranger. Il faut juste les empêcher de nous arrêter. Ne t'inquiète plus pour ça. J'ai créé un champ de force qui va nous protéger de toute interruption. Monsieur, il semble qu'une force anormale se manifeste aux alentours de San Angeles. Anormale? Oui. Appelez les Power Rangers, s'il vous plaît. Mais c'est leur jour de repos. Ils sont allés pique-niquer. Il faut avouer qu'elle n'est que très légèrement anormale, mais si ça change, c'est promis, je les appellerai immédiatement. D'accord. Vous avez raison, ils méritent de s'amuser. Ça fait à peine 2 ans que Mac est avec nous, et 6 mois que l'opération Overdrive est lancée. En effet. Il y a 2 ans, il n'y avait que vous et moi.
Une fois qu'on aura le vase infernal, on régnera enfin sur le monde entier. Oh, tais-toi un peu et continue à chercher. On ne devrait plus être très loin. Mais où est-ce qu'il est passé? Il suivait ce chemin et puis il a disparu. Regardez! Les empreintes s'interrompent tout à coup. C'est pas normal. Elle est pas géniale. Les empreintes se sont interrompues. Elle l'a vu immédiatement. Oui, j'ai droit à ça toute la journée. D'accord. Les empreintes s'arrêtent subitement ici. Mais le Yeti, où il est passé? Il faut continuer. Il va peut-être réapparaître. Qu'est-ce que c'est? On dirait un champ de force. Un champ de force lamporien, pour être exact. J'en ai déjà vu. On peut le traverser? Moi, oui. Vous, non. Je suis de Mercure. Tu vas pas le traverser tout seul. Il y a un moyen. Je vais tenir la main de Rose. Ça continue. Elle va tenir la main de Mac, qui lui va tenir celle de Ronnie. On a compris. Et on pourra tous le traverser. Mais n'oubliez pas de rester en contact physique avec la personne devant vous. Comme ça, mon énergie mercurienne pourra passer à travers votre matière corporelle. Oui, mais si on perd le contact? Évitez, parce que vous ne pourrez pas le traverser tout seul. C'est la science-fonction. Ça n'a pas marché. Le champ s'est refermé. On peut rien faire. Et Rose et Tyson, où ils sont? Où sont les autres? C'est impossible. Quelqu'un a réussi à traverser le champ de force. Oh, c'est forcément ce mercurien, Tyson. Continue à chercher. Je vais m'occuper de lui. J'ai brusquement senti qu'il me lâchait. Alors ils sont restés coincés. Il n'y a que moi et toi. Toi et moi. C'est ce que j'ai dit, non? Laisse tomber. Si j'arrive à trouver la source de ce champ de force, je n'aurai qu'à la briser pour que les autres le traversent. Je trouve que t'en sais pas mal sur ce champ de force. Normal, c'est utilisé par les chat-tigres. Tu aurais dû parler de ça avant. Très bien. On ferait mieux de trouver la source. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas grand-chose à faire. À mon avis, s'il y a un moyen d'en venir à bout, Rose et Tyson le trouveront. Je connais peut-être un moyen. Qu'est-ce qui te fait croire que l'épée du chevalier sera utile au cours d'un pique-nique? Chapeau, t'es génial. Vous m'avez appelé. Je vois que vous faites un pique-nique. On aimerait, mais on a un problème. Rose et Tyson ont réussi à traverser ce champ de force. Et pas nous. Aide-nous à passer. Je vais essayer. C'est près d'ici. Quelqu'un a mal. Attends. Cette chose a l'air blessée. À mon avis, il faut éviter de s'en approcher. Si on peut l'aider, il faut le faire. Bon, écoute, mon grand. Je veux seulement t'aider. Où est-ce que tu as mal? J'ai mal aux pieds. Il peut parler? Je peux même parler sans crier. Si tu me retires cette chose de mon pied. Je l'ai. Oh, merci. Oh, et merci à toi aussi. Ah, tu es un Yeti, c'est ça? Le légendaire, abominable homme des neiges. Gros, un peu stupide, empoté, et qui sent mauvais. Arrête, tu me fais rougir. Oh, comme c'est touchant. Un chat-tigre, il faut fuir. Je pense qu'il a raison. Et Ranger, c'est mon jour de chance.
On doit vite l'éliminer si on veut détruire le champ de force. D'accord. Non, tu n'as pas la force de le traverser. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider. C'était tellement plus facile de briser le mur indestructible à Colaris 3. T'es sûr que ça va? Oui, merci. Je te l'ai pas encore dit, mais un mercurien qui traverse un champ de force s'affaiblit un peu. Non, tu ne m'avais pas dit. Tyson, qu'est-ce qui t'arrive au juste? Tu as une conduite très curieuse. Tu passes ton temps à me regarder. Tu n'as pas arrêté de me poser des questions sur moi, sur tout ce que je mange, tout ce que j'aime. T'as raison. J'essaie juste d'être proche de toi. Tu es proche de moi, tu es mon ami. Non, Rose. Tu refuses de laisser les autres être proches de toi. T'adores parler des sujets qu'on trouve dans les bouquins, mais dès qu'il s'agit de toi, tu refuses de répondre aux questions et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. C'est juste que j'aime pas parler de moi. Pourquoi? Eh bien, à l'époque du collège, j'étais une petite fille banale. Enfin, une fille comme n'importe quelle autre. Alors, j'ai pris la décision de lire tous les livres de sciences que je trouvais et de tout retenir. Pour me faire remarquer. T'as réussi? Non. Rose, on est tous différents. Et personne n'est banal. On est quelqu'un dès qu'on vient au monde. Plus tard, nos actes révèlent notre personnalité et je trouve que tu es une fille absolument unique. Tyson, toi aussi, tu es vraiment un garçon unique. Je sais. Allez, viens. Allons trouver la source. Le signal est plus fort par ici. Oui. Le vase infernal! Il ne me reste plus qu'à le déterrer. Ah. La voilà. Il suffit d'en briser une partie pour que le champ de force s'ouvre définitivement. Ah, non!
Et n'arrangera pas les choses. C'était un bon à rien. Tyson, tu vas le regretter. C'est entre toi et moi, chat tigre. Ça me va. Tu es forte, mais pas assez pour me battre. Fini pour toi. Non, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que c'est? Il était temps. T'es pas pressé. Bonne nouvelle. J'ai trouvé le vase. On a plus de pouvoir que jamais. Oh non. Ah, beau travail. Tu as échoué, Ranger. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu la flattires comme une crêpe. Non. Ça m'étonnerait. Moto, hélico. Ces Rangers n'abandonnent jamais. Ah Tyson! Mais réponds-nous! Là! Bon allez, c'est maintenant ou jamais! Place au gardien de la couronne! Là! Vous m'avez appelé! Vois si tu peux aider Tyson! Ouais! Entendu! Ah, à nous de jouer! Oui! Ouais. Spencer, envoyez les ordres! Du vase infernal. Ce vase est très puissant. Tu parles d'une violence? On reprend le combat. Rose, donne toute la puissance. D'accord. Oh, vous en voulez encore? Vous allez être servi. Mon néon surchauffe. On pourra pas tenir longtemps. Pourtant, il faut repousser les limites. Allons-y. Je suis d'accord. Vas-y, Rose. Je mets les gaz à fond. Que tout le monde garde son calme. Il devrait être calciné. C'est impossible. Il se dirige droit sur nous. Quand on aura récupéré le vase infernal, on gouvernera le monde. Ah, tout ça est ta faute. Tout allait bien quand c'était moi qui pilotais le robot géant. Alors maintenant, tu es un meilleur pilote de robot que moi? Il n'y a plus qu'à rentrer. Non! Il lui fera aucun mal. Il dit qu'il peut l'aider.
Merci. Oh, oh mais attends, je te connais. Tu es le Power Ranger rouge. On est tous des Power Rangers. Oh, au secours. Sauf qu'il pleut. Lui, c'est Norg. On s'est connus quand j'étais prisonnier de Flurious. Tyson, est-ce que ça va? J'ai avalé des œufs brouillés sur des toasts quand j'étais au collège. Tous les jours, des œufs brouillés sur des toasts. Où étais-tu encore passé, mon repoussant paillasson ambulant? Moi? Oh, eh bien, étant donné que c'était mon jour de repos, j'avais envie de faire un petit tour dans les bois. Je vois, j'espère que tu t'es bien amusé, parce que c'est le dernier jour de repos que tu auras. J'essaie de conquérir le monde. Et toi, tu vas batifoler dans la forêt. Tu crois que les Power Rangers, eux, se promènent dans les bois? Oui. Ah. Oh. Ah. Comment ça s'est passé, la journée? En fait, on s'est promené, on a mangé, et on s'est battu aussi. Et on a rapporté un cadeau pour vous deux.